Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Adventure Live, c'est enjoy belle musique et découvrir belle image pays d'Haïti. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Adventure Live, c'est enjoy belle musique et découvrir belle image pays d'Haïti. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Adventure Live, c'est enjoy belle musique et découvrir belle image pays d'Haïti. Bienvenue dans la troisième sortie Adventure Music sur Adventure Haïti. Côté nous présenter chaque fin de semaine une quantité de musique ou tu as supposé gagner dans la playlist. Pour deux premières sorties, tu as voté des musiques pour nous vraiment intéressantes, feedback vraiment intéressant. Et je dis à nous partir pour la troisième sortie et nous avons commencé autrement avec une musique vraiment semaine ça qui moi retombé sur lui son musique nous connaît qui mais qui met toute fraîcheur lui son vraiment ancienne musique de un groupe évangélique sûrement pas existe encore m'attendais encore à la banza c'est la vie. Deuxième musique là c'est toujours musique qui a un rapport avec la vie, remercier la vie, remercier la nature, c'est Emeline Michel qui porte le bon nom merci la vie. Pas oublier, Adventure Music, c'est une rubrique dans Adventure Haïti qui est consacrée avec musique et de nous découvrir musique et surtout musique qui chante Haïti, qui chante l'amour, qui chante passion, qui chante culture, qui chante tourisme, qui chante tradition. Dans ce sens, isolant pour nous, tradition, yo fin aller. Yon ancienne musique isolant avec Boz là, vraiment, qui te permet de découvrir et jeune artiste là, vraiment intéressant. Avec le refrain de Tepote dans la musique, ça qui parlait d'une bonne tradition, une bonne pratique, nous te gagné dans la société. C'est nous style gagné, mais nous avons tendance à oublier. Quatrième musique, c'est toujours un autre rappeur, même temps dans ce rap là, mais qui t'a chanté Pral nan peyin pou yo. Très belle vidéo, belle image qui montre culture, la kainou, tradition nou avec musique moderne, nan, si nous avons parlé, et comme ça, du rap, Jean, ou fait mélange là, et Jean, ça intéressant. Trouble Boy, Pral nan peyin pou yo. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Pablier Adventure Music, c'est une rubrique dans Adventure Haïti et nous pas arrêter seulement dans musique temps moderne, nous pas arrêter dans musique nouvelle génération. Nous passons en revue toute musique, toute génération. Et gagne, c'est un ami qui suggère nous, gagne, c'est un monde qui dit nous tant de musique ça, les nous découvrir, nous est intéressant. Dans ce sens, nous portons nous une musique à succès, une musique basée nous connaît de Timano. Et c'est pas la première fois Timano dans la playlist Adventure Haïti a nous a parlé de l'argent. Compas, continuez à prendre place là dans playlist Adventure Haïti, nous voulons parler de Adventure Music avec Magnum Men qui chantait Experience. Bossa Combo, yon l'autre ancien jazz, ou bien qui pas vraiment opérationnel encore, mais musique yo
marketant, yo inspiré en band jazz, nous veut parler de nouveau jazz, gien qui connait reprend musique et bossa combo. Et ben semaine ça nous découvri racine yon musique bossa combo qui vraiment gien yon mélange de musique traditionnelle, musique racine, ça carré les roots là avec compas. Enjoy racine avec bossa combo. Pour la patrie et pour nos frères, nous irons bon. Chaque jour, il est répété ça. Dans Adventure Music, nous entendons toute musique, nous listons toute musique et pas oublier, ce n'est pas un classement lié, c'est deux trois musiques nous suggérons qui chantent PIA, qui chantent culture, qui chantent tradition, qui chantent tout ça nous gagnons comme richesse que vous êtes capable d'ajouter dans la playlist PAO. Ok, qui donc pas prendre en compte ça n'est les 1, ça n'est les 2, ça n'est les 3, ni tendance. Dans ce sens, nous voter pour Racine Mapou de Azor. Nous là dans vraiment musique racine, nous voulons parler de dangereux. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Rabodaï, bah qu'on va faire musique, qu'on va faire playlist, qu'on va faire bagaille variété pour pas mettre Rabodaï là-dedans. Tellement Rabodaï là, il est puissant, j'aime toujours dire, tellement il pénétré vraiment que tout le monde qui aime la musique, qui connaît tant de musique et je dis à Rabodaï là prend place pâle encore dans Adventure Music pour troisième playlist. Ça. Loïta, yon tube Rabodaï à succès. Et si m'bamoti, c'est une musique Rabodaï qui commence à révolutionner bah, là, par rapport avec Jean Monte Konre Rabodaï. Sans bêtises, bon, ça m'ignorait les bêtises là bien sûr, sans trivialité ou bien sans stigmatisation. Loïta, c'est li nou pote pour nous dans Adventure Music Jodia qui. C'est 9e musique. Loïta. Yeah, Adventure Music aide nous découvrir l'autre musique nous pas connaît, musique nous qui beaucoup arrivé sur nous et puis nous tout simplement porter le pour et n'a fini avec une autre musique Rabodaï que nous découvrir pendant semaine ça qui est baptisé Clairin. Clairin c'est week-end. Pas oublier principe ou ken ou ka prendre joy ou mais pas faire excès ça ka boire pas conduire je conduire ou bien pas fin conduire ou pas fin boire pour aller conduire tendance pour nous penser c'est tout d'une bagarre ensemble mais souvent on va conduire pas boire mais si ou fin boire pas aller conduire mais Clairin c'est musique ça en musique Rabodaï qui rapport avec alcool dans des Clairin mais qui vraiment intéressant mélodie vraiment intéressant nous edo découvrir Jodia comme 10e musique dans playlist 3e playlist Adventure Music. Voilà, merci tout le monde. Nous mettez bout Jodia avec 3e sortie Adventure Music sur Adventure Haïti. Pas oublier Adventure Music, c'est une rubrique dans Adventure Haïti qui est consacrée surtout à musique, musique lacaille, musique qui chante l'amour, musique qui chante touriste. Même bien nous faisons dans Adventure Haïti, montrez-nous question touristique pays a, toute potentialité qui gagne, toute richesse pays a gagné, belle image de pays a. À l'abonné avec channel Adventure Haïti a sur YouTube, pas oublier Adventure Haïti en anglais ADVENTURE et puis Haïti en créole, Facebook, Instagram pour nous rester connectés, pour nous toujours suivre playlist et surtout pour nous suivre toute Adventure Live yo côté à partir de mercredi nous laguer des vidéos Adventure Haïti live côté nous déjà fait qui c'est dans sud qui c'est dans nord qui c'est dans l'ouest là parce que même dans l'ouest là bon bon côté à découvrir. Voilà, invitez famille nous, zanmen nous, abonnez, partagez, supportez et parler de ça, faire échange pour nous vendre une autre facette de Haïti pendant nap enjoy, nap danser avec diverses musiques qui dans playlist Adventure Music là. Rendez-vous l'autre semaine.
Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Adventure Live. C'est chaque soir sur page Facebook et YouTube Adventure Haïti. Immortalisé bataille de Vetière défaite en 1803
côté Dessalines avec tout général yo té maspiné té cabiné té bien bat colon français yo dans bataille si là qui t'a pas débouché sous indépendance pays en 1804 Vetière place ça c'est sous gouvernement général de division Paul Eugène Magloire en 1953 qui était érigé en honneur tout héros indépendance. D'ailleurs, on capable voir là, c'est statue qui érigé en l'air et même gagné cheval, surtout important cheval qui gagné dans l'époque ça et ça a même entré dans l'histoire surtout avec le fameux Capois la mort et cheval li les boulettes là aller pour cheval et la tuer. Et donc histoire nous belle, histoire nous riche, histoire nous en pile et chaque côté, chaque monument retracé histoire pays ça qui c'est une mine. Et puis en 2003 sous gouvernement Jean-Bertrand Aristide, sous président Jean-Bertrand Aristide, espace ça était rénové dans mémoire et tout héros indépendance et toute femme et garçon qui t'a mené bataille ici là. Là, nous avons pas voir ma peau à eux, honneur et gloire à nous, leurs dignes fils et filles, respect, restitution et réparation. Jean-Bertrand Aristide, là, c'était 18 novembre 1803. Voilà, pour Vetière, nous avons un lieu historique, nous avons un lieu victorieux, nous avons un lieu de gloire de l'histoire d'Haïti dans ce qui a rapport avec richesse historique, richesse nous gagnons dans le pays nous pour nous apprendre, pour nous découvrir. Adventure Haïti, Cap Haïtien, Takeover, Vetière. Atis! Place Breda, dans la zone haut du Cap. Place ça, l'immortalisé général Toussaint Louverture, précurseur indépendance, l'a quitté avant Jean-Jacques Dessalines, avant de prendre l'indépendance. C'est place là qui marque l'espace historique, ça, parce que c'est là où on peut trouver les garçons, c'est là où tout le garçon te prend naissance dans l'habitation Breda. Pour l'instant, il y a place Sala qui est dans la zone haut du Cap, place Breda, et derrière, il y a l'école nationale de Breda, toujours dans le Cap Haïtien. On a découvert tout l'espace historique, tout le historique, tout ça qui gagne, qui fait de Haïti un pays riche en histoire et en culture. Adventure Haïti, Cap Haïtien découvert. Tem,